Bonjour à tous, c'est Kunga. Je vous propose de vous présenter ma course pour la troisième manche du championnat BMW Touring Car sur RFRO. Alors bien évidemment, si vous voulez regarder la course, le mieux c'est d'aller sur RFRO TV. Vous avez la course, les deux courses complètes commentées par des spécialistes et c'est vraiment top. Franchement, ça vaut le coup. Mais si vous voulez la voir de l'intérieur, ce que ça fait, ben vous pouvez regarder cette vidéo. Voilà, ben, bon visionnage. Bon, c'est parti pour les qualifs, un seul tour. On va mettre le moins d'essence. Ça suffit. Ok, c'est parti. Allez. Une 28-10, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Oh. Olivier Vigeon a battu Corentin Pointeau. Là, ils n'ont pas réussi à faire un temps ou... À 5 secondes. Donc une course de 30 minutes, combien j'ai dit de litres? Mince, je ne me souviens plus. 35 litres? On va mettre 35, ça ira bien. Allez, concentré, 30 minutes de course. Ah ouais, mais c'est vrai, il y a le départ là, je comprends rien à ces départs. J'ai le pied sur l'embrayage, le talon sur le frein et la pointe qui va accélérer.
c'est pas la bonne méthode. Le freinage au bout de la ligne droite. Un pointeau devant, c'est presque un pléonasme. Je vais jamais tenir une demi-heure comme ça. Allez, concentre-toi un peu là. C'est quoi ce freinage ? Ça a dû toucher, il devait s'attendre.
complètement perdu l'arrière.
minutes. J'ai rien compris là. Petit speedy, oh putain, on est étroit là. Freinage. Ah là là.
Kagashi, Kagashi, Kagashi. Secondes, bon, ça se rattrape pas ça. Bon, sauf s'il se plante comme moi, quoi. Correctement.
qu'il n'y a plus d'action, en fait, je me déconcentre.
tu en l'air. Croyez pas que moi. Beaucoup trop vite là-dessus. C'est dommage, mais la clé c'est quand même de rester concentré. Allez, attendons la suivante. C'est reparti. Et bien, vu mes résultats sur la course précédente, je pars dernier ou avant-dernier, je sais pas. Toujours pas compris comment on fait le départ d'ailleurs. Le problème, c'est que si je passe la première, la voiture avance, ça fait un faux départ. Donc, je débraye. Mais si je débraye... Ah, je vais essayer ça. Pas freiner, juste débrayer, tiens. Allez, on le croit. On y croit. Le fiasco de chez Fiasco. Bon, ben me voilà bon dernier. J'ai plus qu'à refaire mon retard.
ça c'était beau. Te laisse pas faire. Thank you.
Allez. C'est au point mort, à chaque scène plus. Allez, ça doit être passable, ça. Thank you.
encore une fois, point mort, ça c'est chiant. J'ai un problème de transmission là. À 8%. Thank you.
Val, je ne le comprends pas. Il faut que j'aille plus à l'extérieur en fait, c'est ça.
6 minutes. C'est l'os Shepard ou devant. C'est fait doubler par Yano Châtre. Il reste 2 minutes 30.
Voilà. Chut. Pardon. Encore ce point mort, il n'y a pas moyen de le bloquer. Cette course. J'ai encore des progrès à faire, mais bon, je suis pas mécontent, il y a eu de la baston. Et ben, merci.